Mesdames, Messieurs, bonsoir. On l'appelait le maestro Korodri ou tout simplement Idrissa Ouédraogo. Le réalisateur le plus prolixe du cinéma burkinabé est décédé aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Idrissa Ouédraogo a derrière lui une carrière de 35 ans, plus de 3 décennies qui ont permis au maestro de partager son savoir avec plusieurs générations de cinéastes. Pour lui rendre hommage, la RTB a initié ce plateau spécial et nos invités sont à ma gauche, Freddy Denaès, qui est le producteur d'Idrissa Ouédraogo depuis Yaba en 1988. À ma droite, Pascal Didier Ouédraogo, producteur, réalisateur, il n'est pas inconnu de la maison puisqu'il a longtemps travaillé ici à la RTB. À ma gauche, Valérie Kabore, qui est réalisatrice et productrice. Elle a réalisé, tout le monde s'en souvient, la fameuse série Ina. Et à ma droite, Jean-Yves Nana, qui est le directeur de la Cinémathèque et qui est ici, comme Didier Ouédraogo, il représente l'UNCB, l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à ce plateau spécial. Vous avez appris ce matin, dans la consternation, la douleur, la tristesse, la disparition du maestro. Quelle a été votre réaction immédiate, Valérie Kabore? Merci, Godefroy, de nous donner l'occasion de nous exprimer par rapport à cette dure épreuve que traverse le milieu du cinéma. C'est vrai que ce matin, au réveil, les messages SMS étaient pleins, les messages email, Facebook, et il fallait aller à la source pour vraiment croire à ce qui nous arrivait. Donc, après vérification, on s'est rendu compte de la fatalité, que c'était quelque chose d'irréparable qui venait de se produire. Et je vous assure que dans le milieu du cinéma, personne ne comprend ce qui peut arriver à la veille du cinquantenaire de notre grand festival qui a fait grandir et qui a fait connaître Idrissa Ouédraogo. Et Pascal Didier Ouédraogo? Oui, ce matin, j'ai reçu l'information par... Jean-Yves, ici présent, il m'a appelé ce matin, tôt le matin, mais seulement je n'étais pas à côté de mon appareil. Et après, quand je l'ai rappelé, il m'a annoncé cette nouvelle. Une image m'est venue. Je le revois encore à la Maison du Peuple. Il y a une semaine à peu près, je le revois à la Maison du Peuple où il s'est dit « Ah, mon cher ami Didier, ça fait longtemps, nous ne nous sommes pas assis, nous n'avons pas discuté et tout. Bon, écoute, il me tend un billet de 10 000 francs. J'ai dit, pourquoi tu me donnes de l'argent? Maintenant, je vois la portée de ce geste. J'ai dit, pourquoi tu me donnes l'argent? Il dit, non, que prends, parce que ça fait longtemps, on n'a pas discuté. Alors, j'ai pris, et puis, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi ce geste. Mais maintenant, je comprends. Parce que nous avons été des grands amis. Nous sommes allés... Vous avez fait Livrafec, la première promotion? Nous avons fait la première promotion. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés. Et puis, on a tout fait ensemble. Tout fait ensemble. On allait à l'école sur sa moto. Et tout le temps, même en dehors des cours, certains travaux, on faisait tout ensemble. Et vraiment, j'étais choqué quand j'ai appris cette nouvelle. Freddy Denaès, vous êtes le producteur d'Idrissa Ouédraogo. Vous avez cru en ses chances de réalisateur puisque dès 1988, vous l'avez épaulé pour réaliser son long métrage Yaba qui a eu du succès au FESPACO en 1989, même s'il n'a pas eu les talons d'or de Yenenga. En effet, mais en fait, Idrissa, c'était avant tout un ami de plus de 35 ans. Puisque j'ai décidé de travailler avec Idrissa quand j'ai vu ses courts-métrages. En 84, le directeur du Centre culturel français m'a dit « Tiens, on projette des films d'un jeune réalisateur, si tu veux venir voir. » Je suis venu et là, j'étais vraiment surpris de voir la qualité cinématographique de son travail. Donc j'ai été le voir et je lui ai dit « Idrissa, j'ai vu tes courts-métrages, j'ai envie de travailler avec toi. » Comment on peut faire? Ah, il me dit, si tu veux travailler avec moi, il faut que tu produises mes films. Et donc, je suis rentré à Paris, j'ai fait un an de formation. Ben, j'étais réalisateur, en fait, je réalisais un film en 84 ici. Et je suis retourné à l'école, j'ai fait une année de direction de production et j'ai monté
ma société de production, et là, je suis revenu le voir. Et ça a démarré comme ça. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Alors, je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais vous êtes là au moment où le maestro tire sa révérence. On s'est appelé lundi. Il m'a dit, on a des projets, il faut que tu viennes, qu'on travaille. On était en train de restaurer tous ces films pour une nouvelle numérisation et avoir des DCP de grande qualité. Donc je lui ai dit, bah, écoute, je viens. Et je suis arrivé. Et depuis mercredi, j'essaye de l'appeler. Et ses téléphones étaient coupés. Et vendredi soir, j'ai appelé Sanatin en disant, mais j'arrive pas à le joindre. Et Sanatin me dit, mais il est malade, mais bon. Et j'ai dit, bon, soit demain, soit dimanche, je viens le voir. Et puis ce matin, ben, profonde tristesse, effectivement, à 7h30, Rouquier-Tout, la petite sœur de Sanatin m'a appelé pour me dire que, voilà. Alors, vous êtes arrivé avec sous les bras et beaucoup de films de Drissa Ouedraogo numérisés. On a tous Alors, pas les longs numérisé. métrages. J'avais déjà édité tous ces films en DVD, mais là, on fait un vrai travail de restauration de ces films. C'est-à-dire qu'on reprend chaque image de chaque film est numérisée et retravaillée pour redonner les couleurs d'origine, redonner le son d'origine et repartir pour 50 ans avec des copies impeccables. Voilà, on fait en 2K et en 4K et également une sortie film qui sera conservée aux archives du film à Paris. Alors, Jean-Yves Nana, vous avez appris le décès du maestro. Quelle a été votre réaction ce matin à votre réveil ce dimanche 18 février 2018, quand vous avez appris le décès du maestro? En fait, il faut peut-être dire que c'est son petit frère Taïro Hidrago qui a dû me lancer l'alerte, comme pour dire, écoute, Jean-Yves, va dire au revoir à Idrissa. Parce qu'il m'a dit, écoute, Jean-Yves, Idrissa est à la clinique, je t'ai pas vu. J'ai dit, mais attends, tu ne m'as pas informé, attends. Il dit, mais bon, de toute façon, il est à la clinique Dubois. Et il m'a donné l'indication où se trouvait la clinique. Et immédiatement, je me suis rendu sur les lieux. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais tu es où? Taïrou dit, non, lui n'est pas là, mais bon, la famille est là. Effectivement, j'ai retrouvé Razo, Rassmane Ouedraogo, et le reste de la famille. Et nous avons échangé, on a bavardé. Il me dit, non, bon, il se repose, il était un peu agité, mais ça va, il se repose un peu. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ben, écoutez, j'ai passé un bout de temps. Je dis, on est à demain. Et là, j'ai rejoint Taïrou sur son plateau de tournage à Ouaga 2000. Et j'ai dit, bon, ben, écoute, je n'ai pas pu le voir, mais j'espère que demain, bon, je le reverrai. Et le matin, très tôt, Taïrou qui m'appelle pour dire, écoute, Jean-Yves, maître est parti. Je n'en revenais pas. Et immédiatement, je me suis vu dans le devoir d'informer tous les membres de l'UNCB à travers le secrétaire général qui généralement passe nos informations. J'ai appelé Youssouf Tapsoba, je lui ai donné l'information et je lui ai dit, passe un mail ou passe une information dans le mailing group. Alors, lui, il ne m'a pas du tout cru, mais bon, il a fait son message. Et quand il a écrit son message, il a tenu à me relire le message pour dire, voilà ce que je vais dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Est-ce qu'on peut s'amuser avec une telle information? Donc, c'était réel et on était tous sous le choc. Voilà, l'onde de choc donc qui a gagné tous les pays africains, j'allais dire même le monde, puisque partout, ça, il a été annoncé le décès donc d'Idrissa Ouedraogo, voilà, le cinéaste burkinabé qui n'est plus. Alors, que retenez de l'œuvre de ce grand homme, ce grand réalisateur, vous qui avez vu nombre de films, ses courts-métrages, Poco qui a eu un prix en 1981, et puis après il y a eu Ouagadougou, il y a eu Issa les Tisserands, il y a eu également Les Écueils. Et pourquoi voilà, le Yatenga d'hier à aujourd'hui, bref, et puis les longs métrages qu'on ne compte plus, est-ce que vraiment c'est une œuvre, j'allais dire exceptionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui est exceptionnel pour C'est un une œuvre cinéaste? exceptionnelle, parce que dès les premiers courts-métrages et dès Poco, on voit la rigueur du travail du maestro. On voit tout de suite le potentiel immense de ce grand réalisateur. C'est-à-dire que chaque cadre, chaque point de vue, et la caméra, elle est exactement à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut pas chercher une autre place. C'est là et c'est pas. Et moi, je me rappelle quand on tournait Yaaba, il avait besoin de verdure et tout ça.
On était en plein Yatinga, c'était, il n'y avait rien, quoi. Il voit un branchage, il fait un cadrage, mais on se serait cru dans une forêt. Mais je lui dis, mais moi, je ne revenais pas, quoi. Il avait cette science de l'image et du son. Il avait cette science de la direction d'acteur. Il aimait le peuple, il aimait les gens simples et il aimait que les gens soient naturels. Et il les faisait travailler à partir de ce naturel. Didier, c'est ton avis ? Oui, parfaitement, parce que Idrissa, déjà, à l'INAFEC, on le voyait venir. Le film de groupe que nous avons eu à faire, c'était déjà son scénario à lui. Il y a eu quelques scénarios et son scénario a été retenu. Et c'est un film, à l'époque financé par l'UNESCO, que nous avons réalisé. Tout le groupe est passé par poste. Et c'était le scénario. Idrissa, depuis l'INAFEC, on le voyait venir. Et je crois que Gaston, surtout, l'a vu venir. C'est pas pour rien qu'il l'a engagé à la direction du cinéma à l'époque. Idrissa, il était tranché quand même de nous autres. Il a beaucoup aimé le cinéma. Et puis, bon, il a tout donné, en tout cas pour le cinéma. Et je crois qu'il laisse quand même quelque chose à la postérité. Voilà. Jean-Yves Nana, vous qui êtes à la Cinémathèque, vous avez l'occasion de voir toutes les œuvres d'Idrissa Ouédraogo. Qu'est-ce que vous retenez comme œuvre majeure? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le travail de ce grand réalisateur burkinabé? En fait, parlant du travail d'Idrissa, je voudrais revenir un peu à ce que Freddy disait tout à l'heure, la qualité de son travail. En fait, je crois savoir, si je ne me trompe, que Idrissa a été major de sa promotion... Exactement. L'INAFEC. Exactement. Alors, il faut comprendre que le cinéma, c'est un art. Et Idrissa a pris tout son temps pour intégrer cela et faire en sorte que tout ce qu'il fait soit juste. On n'écrit pas au hasard au cinéma. Et quand on fait un cadre, ça correspond à quelque chose. Quand on passe d'une image, d'un cadre à un autre, il y a des règles à suivre. Et Idrissa a appris à bien le faire. Et quand on voit ses films, ça transpire la maîtrise de l'art de l'écriture cinématographique. C'est des choses qu'il faut aujourd'hui enseigner à la jeune génération qui très souvent veut faire les choses rapidement, mais ne prend pas le temps, le soin de se dire que le cinéma c'est un art. Et il y a un langage cinématographique qu'il faut maîtriser. Je crois qu'Idrissa Ouédraogo, il a toujours ce pincement au cœur que la jeune génération n'utilise pas le cinéma bon escient, n'utilise pas les techniques cinématographiques. Et il y a quelques jours de cela, je crois il y a deux semaines, lui et moi, on discutait encore de cela. Et il a dit, ah, moi, je retiens sa phrase, j'ai fait l'IDEC et je ne peux pas, en tout cas, ferrailler avec d'autres personnes qui n'ont jamais fait cette école. Valérie Kabori. Ok. Justement, avant de répondre à votre question, j'allais dire que personnellement, j'ai connu Idrissa en trois temps. D'abord, en tant qu'une petite téléspectatrice ou spectatrice. Ensuite, j'ai pu aller dans la même école que lui. Et ensuite, sur le terrain du travail. Et de tout ce que les aînés ont dit, vraiment, c'est un homme rigoureux, un homme talentueux. Et je réponds donc à votre question, qui n'a jamais... ou du moins qui a accepté difficilement l'arrivée des autres supports dans la profession. C'est un peu comme quelqu'un aujourd'hui qui s'accrocherait à son téléphone fixe à la maison et qui refuse d'avoir un téléphone portable. C'est un peu l'image que je peux donner. Donc tout le débat, surtout actuellement, portait autour de l'arrivée du numérique, le conflit entre le cinéma et la télé. C'était un artiste complet, qui avait sa trajectoire et qui l'a fait grandir. Donc, il tenait à ce que ça perdure. Alors que les réalités du cinéma ont beaucoup changé. Les financements ne courent plus les rues. Parce que dans le temps, pour faire un film, un long métrage, il fallait mobiliser 700 à 800 millions. Alors qu'aujourd'hui, peut-être pour toute une nation, nous disposons du même budget. Donc, c'est ça qui était le débat actuel. Mais il était carrément dans sa droite ligne et il avait raison par rapport à un certain nombre d'arguments qu'il avançait. Mais en tout cas, c'est ça qui faisait un peu le débat avec la jeune génération. Mais c'était un génie selon vous? Je pense.
Je pense que c'était un génie. Parce que quand vous regardez son âge, la fin de ses études, avec toute la filmographie, et quand vous pensez que, vous savez que pour faire un long métrage, l'écrire, trouver de l'argent pour le produire, généralement on met au moins 2 ans, et lui il le faisait vraiment en continu, c'est un vrai génie, et c'est quelqu'un que nous, en tout cas les Puinés, avons admiré avant donc d'embrasser la profession. Et je crois que le Burkina, l'Afrique et même le monde lui doivent beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a laissé comme héritage. Alors vous, Drissa Ouédraogo était de la première promotion de l'INAFEC, vous êtes la dernière promotion. C'est vrai. Alors donc un peu, on peut dire que voilà, c'est vous qui avez marqué l'histoire de cette école. C'est vrai, effectivement, les Idrissa ont commencé l'école l'INAFEC en 79, si je ne m'abuse. C'était la toute première promotion avec Pascal Didier Ouédraogo qui est sur le plateau avec nous. Et nous, on a commencé en 85 pour finir en 87. Donc, c'est avec notre promotion que l'école a fermé. Et vraiment, Idrissa Ouédraogo, à l'époque, nous, on le voyait comme un dieu. Parce que déjà sur les bancs, on savait qu'il y a quelqu'un de cette école qui excellait à l'international. Donc ça nous a vraiment donné envie d'apprendre le cinéma, de le côtoyer et d'aller un peu dans le sens où il allait. Alors Drissa Ouédraogo, encensé à Cannes, encensé à Berlin, encensé à Monterrey avec Kenny Adams et puis au Burkina, au Japon. Bon, presque au Japon. Au Japon oui, mais presque au Burkina, bah, presque oublié. Il était comme le commun des mortels, il se promenait dans les rues d'Ouagadougou, il ne déclenchait pas, j'allais dire, l'hystérie générale. Est-ce qu'il n'était pas plus prophète ailleurs qu'au Burkina? Oui, et ça c'est un problème majeur pour l'ensemble de notre métier. Et il y a le BBDA actuellement qui a pu initier un programme pour encourager les anciens. Parce que c'est des gens qui ont été des vedettes, c'est des gens qui ont compté pour la nation. Et généralement, à la fin de leur carrière, on les oublie. Lui n'était pas encore dans ce cas parce qu'il n'avait pas vraiment pris sa retraite. Mais il y a bon nombre de gens comme ça. Et il faudrait, en tout cas moi je profite de votre tribune, de cette tribune, pour lancer un appel à l'ensemble des professionnels, à l'ensemble des politiques. Parce que cet homme et bien d'autres ont fait, par notre art, avant en tout cas sorti le Burkina de l'ombre, d'une certaine manière, au même titre que le sport. Mais pourquoi dans le cinéma, on n'est pas autant encouragé que dans le sport? Il faut que quelque chose se fasse, il faut qu'une révolution en tout cas intervienne, dans ce domaine-là pour nous permettre de vivre décemment de nos œuvres et surtout d'être reconnus par la nation. Parce qu'après, dès que vous partez, tout le monde pleure, ça ne sert à rien. Donc il faut faire les choses en temps réel pendant que les gens de leur vivant en ont besoin. Et ça, c'est un cri de cœur que je lance. Pascal Didier. Oui. Effectivement, Idrissa Ouédraogo, l'œuvre d'Idrissa Ouédraogo est très importante. Elle est très importante pour la jeune génération et l'ensemble de ses œuvres peut constituer vraiment une école pour la formation de la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, beaucoup ont pu accéder à ce métier, mais qui n'ont pas reçu toute la rigueur de la formation nécessaire pour pratiquer ce métier. Et je crois que je demande à la jeune, ce qu'il laisse à la jeune génération, c'est quand même par ses œuvres faire leur demander un peu de patience pour apprendre le métier dans toutes ses formes afin de pouvoir pratiquer librement. Voilà. Un peu ce que je voudrais dire. Vraiment, je pense que Idrissa, bon, pour toute... c'est pas seulement le Burkina, mais pour toute l'Afrique quand même, et aussi pour le monde, il a laissé quelque chose. Parce que au regard du nombre de produits qu'il a, laissé, on ne peut que... je ne pense pas que cela ait été
réalisé par d'autres personnes aussi facilement, surtout pour un Burkinabé, un pays, c'est vrai, il y a le FESPACO, c'est le, on dit la capitale du cinéma, mais le financement, c'est tout autre chose. Il a su se battre à l'étranger pour obtenir le financement, pour faire ses films. Et puis, en le fréquentant, j'ai vu que il y a beaucoup de modestie en lui, parce qu'il n'a jamais, jamais fini d'apprendre. Idrissa n'a jamais fini d'apprendre. Il va se déplacer, il ira poser des questions ici et là pour tel ou tel autre produit. Vraiment, je dirais que c'est une grosse perte. Jean-Yves Nana, est-ce que Idrissa n'était pas plus prophète ailleurs qu'au Burkina? Est-ce que ce cinéaste qui était tant adulé à l'étranger, et qui était presque... c'est vrai que c'était, il avait le respect de tous les Burkinabés où il passait, mais bon, c'est pas plus. Bon, il était comme le commun des mortels. C'est pas, on peut pas le comparer au grand cinéaste, parce que lui aussi, il était un grand cinéaste, mais en tout cas, il n'avait pas, j'allais dire, comme on appelle les considérations qu'on lui devait en tant que cinéaste qui a porté un drapeau burkinabé. Non, je crois que il faut qu'on soit assez réaliste pour comprendre que quand on fait des films, la trempe de ceux réalisés par Idrissa, c'est des œuvres d'art. Et ces films-là doivent être vus. Pour qu'on puisse apprécier quelque chose, il faut pouvoir le voir. Mais à l'heure actuelle, nous constatons que on n'a pas tout le nécessaire pour faire en sorte que ces belles œuvres-là puissent être vues par le maximum de personnes. Et ces chefs-d'œuvre, Valérie l'a rappelé tout à l'heure, ont été réalisés pour l'essentiel sur le support celluloïde. Et les œuvres doivent passer dans les salles de projection, salles qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui, en dehors d'une ou de deux qui peuvent être considérées comme des salles véritablement définies aux projections cinématographiques. Donc, si on ne voit pas les œuvres, on ne peut pas les apprécier. Donc, le grand public n'arrive pas à apprécier parce qu'il ne voit pas. Moi, je suis à la Cinémathèque africaine de Ouagadougou et chaque fois que nous avons l'occasion de projeter ce genre de film, les films réalisés par Idrissa dans les contrées à l'intérieur du pays, nous constatons tout l'engouement du public. Le public burkinabé aime le cinéma, mais il faut trouver le moyen de le lui montrer. Voilà pourquoi Idrissa, beaucoup ne savent pas quelle est sa valeur. Et il n'a pas fait des films juste pour l'alimentaire. Pour lui, les films, c'était des œuvres d'art. Et généralement, quand on fait des œuvres d'art, c'est pas évident qu'on puisse être toujours compris. Alors, tout récemment, au JCC à Carthage, il a été, en tout cas, décoré par le président tunisien, Epsi. Et donc, cela prouve que toujours, sur le plan international, Idrissa Ouédraogo, son travail, son talent, ses œuvres sont reconnues mondialement. Alors, Freddy Dinaes, vous qui avez été longtemps son producteur, est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui manquait pour que ce cinéaste de talent puisse rayonner davantage? Je pense que à un moment donné, effectivement, la course à l'argent qui s'est effectivement raréfiée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie à un moment donné, de se battre pour aller chercher de l'argent. Il avait prouvé sa valeur. Et là, il s'est dit, ben voilà, c'est difficile d'aller chercher, de trouver de l'argent. Je vais faire des émissions de télé, je vais faire des séries. Parce que ce qui lui importait, c'était les gens, c'était le peuple. Il voulait montrer ses films. Et c'est sa grande valeur, c'était de dire, il va mettre autant d'énergie à faire un film de long métrage que faire une série télé, parce qu'il veut que ça soit vu par les gens. Et ça, c'était pour lui très, très important. Donc, à un moment donné, effectivement, quand de l'argent, c'était difficile d'en trouver, eh ben, il a fait de la télé, il a fait des séries pour pouvoir continuer à faire son travail, parce qu'il faisait les séries comme il tournait des films, c'est-à-dire avec la même rigueur, le même cadrage, avec moins d'argent, avec des équipes plus réduites, mais avec ce même engouement. Et
Moi, je dis, il faut également inclure avec les longs métrages, si on a la possibilité, je discuterai avec la famille et tout ça, mais de faire des séries DVD avec ces séries qu'il a faites, puisqu'on a fait tous les longs métrages, tous les courts métrages, je le ferai volontiers pour que ça existe. Kadi Joly, 100 jours pour convaincre. 100 jours pour convaincre, Kadi Joly, et toutes les derniers, Diarabi, qui est très très beau, c'est vrai. Il m'avait donné les 13 premiers épisodes en me disant, je cherche un peu d'argent, on va faire la suite. Et je lui dis, mais on va la chercher, on va faire pour la France et on va faire comme ça France-Burkina pour cette série-là. Alors Valérie Caboret rappelait tantôt que Idrissa Ouédraogo ne laissait personne indifférent. C'était un homme en part. Ou on l'aimait ou on ne l'aimait pas, c'est ça, Jean-Yves Nana? Tout à fait, Idrissa Ouédraogo, c'est quand même curieux parce que bon, moi, je, en tant que cadreur, j'ai été assistant sur beaucoup de films, mais paradoxalement, je n'ai jamais travaillé sur un film d'Idrissa Ouédraogo. En fait, ce n'est pas parce qu'on était très bons amis, mais bon, chacun a ses manières de faire, comme tu le dis, on l'aime ou on ne l'aime pas. Voilà. Mais en dehors des plateaux, Idrissa, il est vraiment généreux. Et c'est un homme au grand cœur. Et parlant de sa reconnaissance, il faut noter aussi que Idrissa est l'un des quelques rares artistes, j'allais dire, qui a été fait commandeur de l'ordre national. De la même façon pour Gaston, c'est dire que l'État burkinabé, quelque part, a reconnu toute la valeur, tout le mérite de cet homme-là. Et ailleurs, il a aussi eu des distinctions. Et notons qu'il est quand même l'un des rares Burkinabés à avoir été dans le dictionnaire. Le petit Larousse. Voilà. Le grand Larousse. Voilà. Donc, c'est dire quand même que, bon, il y a une certaine reconnaissance, mais il faut savoir que l'homme, il est ce qu'il est. Et il disait, pour blaguer, qu'il était immortel parce qu'il est dans le grand Larousse. Voilà, il est immortel. Moi, je crois que ce n'est pas parce qu'il est dans le grand Larousse qu'il est immortel. Ce sont les œuvres qu'il a laissées à la postérité qui font de lui un immortel. Tout à fait. Alors, la spécificité de Idrissa Ouédraogo, c'était de. Quand il travaillait, il avait tout son travail dans sa tête. C'était l'une des rares personnes, l'un des rares réalisateurs qui pouvait travailler pratiquement sans papier. Il va écrire son scénario, mais quand il se retrouve sur le terrain, il sait au millimètre près ce qu'il doit faire. Et à la limite, il n'a pas besoin de papier pour... Il voit une scène et en deux minutes... Il va retransformer pour qu'elle corresponde exactement à ce qu'il voulait, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un petit truc qui ne va pas, et hop, mais il n'en faut pas beaucoup. Mais c'est Alors, Valérie Caboret, est-ce que c'est un homme qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas? Oui, comme... Il n'y a pas de juste milieu. En tout cas, il fallait l'accepter tel qu'il est, parce que c'était un artiste complet, très impulsif, déterminé. Philippe Savaro disait surtout, à midi que c'était un enfant terrible du cinéma africain. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Et en termes de création, il était inégalable. Parce que c'est quelqu'un, il initie un projet aujourd'hui. S'il y tient, en tout cas en deux semaines, il a bouclé tout et il y va. Vous l'accompagnez ou vous restez sur le bas-côté, mais lui, quand il y croit, il y va. Et je pense que ça peut servir à la nouvelle génération qui attend d'avoir toujours tout sur le plateau, sur un plateau d'or avant de fonctionner. Est-ce qu'il était un peu iconoclaste? Il faisait et il sortait des cadres. Il n'acceptait pas qu'on le mette dans un cadre. Didier. Bon, iconoclaste, l'homme était particulier. L'homme était particulier. Il avait ses idées et il défendait ses idées. Donc, le mettre dans une classe quelconque, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Idrissa était un homme particulier. Et Idrissa, quand il partait, quand il revenait, quand on se voyait, des fois il m'appelle, on se rencontre quelque part, on échange. Tous ses projets, hein, il m'informait de tous ses projets. Comment il voit les choses aujourd'hui, ses visions des choses, il m'informait de tout. On discutait un peu. Et puis, bon, Idrissa ne pouvait pas... on ne peut pas le mettre dans un cadre parce qu'il est différent. Il est différent de tout le monde. Il se considère quelque part, je dirais, bon, il le dit, hein, qu'il est intelligent. Donc vous comprenez. Vous comprenez qu'il ne peut pas se mettre comme ça dans un cadre. Voilà.
Voilà. Oui, mais si on a eu, en tout cas, le Grand Prix, le Grand Prix du jury à Cannes, voilà. On a eu l'ours d'argent à Berlin, ouais. On a eu le tanit d'argent au JCC à Carthage, les talons de Yenenga à Ouagadougou, et on en oublie d'autres récompenses. On peut dire qu'il était très intelligent, il était très bon, et à ce titre, donc, il revendiquait, en tout cas, ses succès-là. Alors, l'héritage de Idrissa Ouédraogo, c'est quoi, selon vous? Qu'est-ce qu'il laisse à la génération et qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cet héritage-là? Et Danaès? C'est un petit peu compliqué parce que Idrissa, il laisse effectivement une œuvre que les gens doivent voir et doivent savoir apprécier. Maintenant, je pense, en fait, je ne sais pas, vous qui êtes là, en savez sans doute plus que moi. Je pense qu'il y a quand même un fossé qui s'est creusé un petit peu entre la jeune génération et Idrissa. D'abord parce qu'il était un petit peu en train de résoudre aussi ses problèmes. Moi, je le voyais beaucoup plus à Paris. Et quand il venait, c'était aussi pour chercher de l'argent. C'était parce qu'il se sentait un peu seul ici. Et il ne sentait pas réellement de filiation. Donc, parler d'héritage, c'est, je pense qu'il avait... Toute une bande d'amis, effectivement, Didier, Merazzo, effectivement, qui était vraiment autour de lui et qui travaillait avec lui depuis de nombreuses années. Jean-Yves aussi, sans doute. Et Valérie, je sais qu'il aimait beaucoup Valérie, qu'il aimait beaucoup son travail et qu'il la défendait énormément. Mais dans les jeunes, dans ceux qui arrivent maintenant, depuis une dizaine d'années, je n'ai pas vu chez Idrissa un éclat dans les yeux qui dit « là, il y a quelqu'un, là, il y a une œuvre qui naît ». Maintenant, à vous peut-être de dire « tu te trompes, il y a des choses ici quand même qui émergent ». Mais voilà. Je rappelle qu'au dernier FESPACO, en 2017, il a encadré un jeune, Yamehogo, qui a eu quand même prix du court-métrage et quelqu'un qui a en tout cas apprécié énormément l'encadrement d'Idrissa Ouédraogo. Ouais. Voilà. Et Valérie, par rapport à son héritage, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que la jeune génération a pu bénéficier du support, de l'appui d'Idrissa? Ou bien on va remonter dans il y a 10-15 ans pour voir ceux qui travaillaient et qui bénéficiaient de son appui? Est-ce que cet héritage-là, vous croyez qu'il sera perpétué? Okay. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui. Le seul souvenir professionnel que j'ai, c'est à la production de Samba Traoré en 92. Donc j'ai été attachée de près sur ce film et je me suis occupée de la promotion au niveau national et au niveau de la sous-région. Mais peut-être que ça n'a pas été perpétué parce que simplement je me lançais aussi dans ma carrière, donc on n'a plus eu d'occasion. Mais ce que je peux quand même citer comme exemple, si mes souvenirs sont bons, c'est Idrissa qui a lancé en termes de producteur Apolline Traoré. Voilà. Et d'ailleurs, on avait fait une grande émission dans la cour de la télé ici, où il a vraiment dit ce qu'il avait comme programme et projet pour la jeune génération, pour la génération montante. Et il avait repéré, et vous voyez depuis quand même que Apolline produit régulièrement. Et je pense que ça, c'est un modèle, en tout cas, qui existe. On pourrait citer peut-être Aminata Glaise aussi, qui oui, a été avec son Kadi actrice Jolie. Principale. Tout à fait. Dans Kadi Jolie, et voilà. Qui est devenue après productrice. C'est et voilà, qui je réalise. Sais que Fanta Nacro a énormément travaillé à ses débuts, en tout cas avec Idrissa. Mais pour le reste, je n'ai vraiment pas suivi. Mais en termes d'héritage, vous savez, tout ce qu'il a laissé comme œuvre, ça rentre dans le patrimoine national, africain et tout. Et on a l'avantage d'avoir... le directeur de la Cinémathèque ici. Donc il s'agit peut-être de voir dans quelle mesure ces œuvres peuvent être programmées et vues, surtout utilisées dans les ciné-clubs pour que ceux qui montent en termes de au niveau des jeunes créatifs, qu'ils sachent qu'il y a eu des gens qui ont existé et qu'ils ne recommencent pas forcément, enfin l'histoire ne commence pas avec eux. Voilà, donc c'est cet héritage-là, je pense que c'est, ça sera à nous de nous l'approprier pour que ça ne reste pas dans des oubliettes. Exactement. Bon, avant Didier, je voudrais dire que, en fait, les grands hommes, généralement, on ne les révèle, on ne les découvre qu'après leur départ. C'est généralement comme ça. Quand vous partez, on découvre toute votre valeur. Et aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui veulent faire du travail sérieux,
devrait faire comme le font tous ceux qui sont passionnés de cinéma. Il faut voir des films, il faut regarder les films, comment ils sont construits, pourquoi les œuvres sont belles, pourquoi ces œuvres sont reconnues. Il faut regarder et essayer de faire comme ou de faire mieux. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que la jeune génération n'aime pas beaucoup regarder les films. Moi, je suis à la Cinémathèque africaine de Ouagadougou. Nos portes sont ouvertes à un certain type de public, notamment ceux qui sont dans les écoles de cinéma, qui veulent apprendre. Nous organisons des ciné-clubs, mais ce n'est pas toujours que cette jeunesse-là s'intéresse au film. Ceux qui veulent faire, ils regardent des choses à la télé, bon, chacun sort avec sa petite caméra, il veut faire des films. C'est bien, mais les films de Idrissa doivent être enseignés. Et ça, c'est un héritage très important pour le Burkina et pour l'Afrique. Enseigner pour rappeler à tout un chacun cette rigueur, cet amour du travail bien fait et puis cette volonté de, en tout cas, rendre fidèlement et en tout cas ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris dans la formation. C'est ça, Didier Ouédraogo? Je voudrais auparavant, je voudrais dire que je ne connais pas... c'est-à-dire les jeunes qui la jeunesse qui l'a supporté, c'est-à-dire la jeune génération qui l'a... Je n'en connais pas beaucoup. Au Burkina, je n'en connais pas beaucoup. Mais je sais qu'à l'étranger, quand je prends la Guinée, par exemple, Camara, c'est Idriss. Non, pas Fantamadi. Mm-hmm. Un autre Camara. Mohamed Camara. Oui, quand je vois que... Je vois au début du film Gimba, film produit par Idrissa Ouédraogo. Bon, je me dis que quelque part, à l'étranger, quand même, il a fait des choses. Peut-être le Tchadien Issa Kouélo. Bon, peut-être. Oui. Mais même Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako. Il a beaucoup défendu Abderrahmane le jeu et tous les premiers films d'Abderrahmane. Mm-hmm. Après, Abderrahmane a continué son chemin. Mais mm-hmm. c'est vrai qu'au début, Idrissa... Et même celui qui a été primé l'année dernière, Alain Gomis. Oui. Voilà, Idrissa a dit que c'est un de ses élèves. Voilà, mm-hmm. Alain Gomis, c'était... Mm-hmm. quand même quelqu'un qui l'a dirigé quand il faisait ses premiers pas dans le cinéma. Donc, je pense qu'effectivement, dans les cinéastes étrangers, il y a pas mal de gens qui se recommandent. Oui, quelle était encore la question? La question, c'est son héritage. Son héritage. Oui, je crois que par la rigueur de son travail, de ce qu'il a laissé, je crois que pour la jeune génération, il y a à faire. Tout à l'heure, Jean-Yves disait que nous ne regardons pas les films. C'est des films, au début je disais, c'est des films que devraient voir beaucoup de formateurs et, afin de les utiliser pour former leurs étudiants. Parce que son héritage, il est vraiment important et qu'il peut contribuer en tout cas à faire avancer le cinéma au niveau des jeunes générations. Freddy Denaès, l'héritage d'Idrissa Ouédraogo pour les générations à venir, c'est quoi? L'héritage d'Idrissa, c'est ses films. Il faut effectivement les voir, il faut les montrer. Je pense que nous, je dis nous, c'est-à-dire ma société qui accompagnons, puisque j'en ai eu deux ou trois depuis que je travaille avec Idrissa, depuis 85, on a toujours eu envie de les emmener plus loin. Moi, je me rappelle, Yahaba, avec Idrissa, on se séparait tellement il y avait des demandes pour venir présenter le film, pour parler. Et le film a fait plus de 500 000 entrées en France, ce qui était un record absolu pour le cinéma africain. Et tout le monde n'en revenait pas. Ensuite, ça a été collège au cinéma. Le film était vu par tous les jeunes de 12 à 15 ans. Dans tous les collèges de toute la France. Donc l'idée, c'est quand même de maintenir les films et de faire qu'il soit possible de les voir. Donc après les éditions DVD ou autres, on s'attaque à la restauration. Et puis une fois que toute la restauration sera faite, refaire à nouveau un hommage et refaire une sortie nationale de tous les films en faisant une rétrospective des films d'Idrissa et les montrer. Et je disais à Jean-Yves, j'espère qu'on aura quelques films de près pour le prochain FESPACO, pour qu'il y ait un hommage
lors du prochain FESPACO au maestro, puisque... Le maestro qui préparait justement, en tout cas, sa présence à cette édition charnière, le cinquantenaire du Festival de Ouagadougou. Malheureusement, la mort en a décidé autrement. Et est-ce que, comme l'a dit Freddy Denaès, Pascal Didier Ouedraogo, est-ce que, pour rendre hommage, un hommage à ce cinéaste-là, est-ce que est-ce qu'il suffit seulement d'aller regarder ses œuvres? Est-ce qu'il faut reprogrammer les films de Drissa? Ou bien vous avez une autre manière pour lui rendre hommage que vous voudriez proposer au public? Avoir d'autres manières, aller voir ses films. Je crois que le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre, c'est déjà de pouvoir voir ses films. Parce que, comme l'a dit Jean-Yves tout de suite, il y a quand même un problème à ce niveau. C'est déjà voir ses films, c'est la manière de lui rendre vraiment hommage, pouvoir voir ses films. Voilà. Et bon, quant à une autre manière de lui rendre hommage, le cinquantenaire est là. Bon, il y a un étalon burkinabé qui est parti, le premier étalon burkinabé. Je crois qu'il serait bon qu'il y ait un hommage particulier pour lui quand même lors de ce cinquantenaire-là. Voilà, en dehors même de la cérémonie de libation qui est organisée. Voilà, en dehors de la cérémonie de libation. Oui. Voilà. Jean-Yves Nana, comment rendre hommage à ce cinéaste et Idrissa Ouedraogo? Non, je crois que déjà, bon, dans le cadre de ce qui se prépare actuellement pour ses obsèques, il est prévu que les cinéastes et tous ceux qui l'ont connu se retrouvent demain pour lui rendre hommage. Alors le cadre, nous sommes en train d'hésiter entre le Senaza que d'aucuns trouvent assez restreint et le FESPACO, qui pourrait être un cadre idéal pour qu'on se retrouve, qu'on puisse véritablement lui rendre hommage avant de le porter à sa dernière demeure. Et je crois que ça va se faire dans la soirée, demain. Et le programme va être précisé dans la matinée et on diffusera assez largement ce programme-là. Alors, Étienne Minungu, qui est un grand comédien de cinéma et de théâtre burkinabé, a dit « Je ne te pleure pas ». Est-ce que c'est le même sentiment pour toi, Valérie et Kavore? Merci pour cette question. Bon, je pense que depuis ce matin, on est tous perdus. Mais avec un espoir, parce que il est parti, mais il a laissé des œuvres, comme on a dit tout au long de ce plateau. Et le meilleur moyen et la meilleure manière de lui rendre hommage, ça serait que l'UNCB, qui est notre union à tous, c'est une union nationale des cinéastes, avec l'administration centrale, se mette en tout cas à la réflexion pour trouver la meilleure forme. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le premier étalon du Burkina qui s'en va. C'est une première et il n'est pas... méconnu du public, il est adulé par ses fans, donc il faut le célébrer. Et j'allais dire que nous, quand on apprenait le cinéma par des courants. Et l'écriture d'Idrissa est une écriture particulière. Donc on a des écoles de cinéma au Burkina, on en a en Afrique. Donc le meilleur moyen de lui rendre hommage, ça serait de pouvoir inclure, en tout cas dans le cursus scolaire, un module qui parlerait donc de sa manière d'écrire, sa manière de filmer, de son genre à lui qui a été quand même un genre particulier et qui a quand même permis au cinéma burkinabé d'aller très loin au-delà de nos frontières. Et oui, Freddy Denaès, est-ce que, à votre avis, on pourrait faire un hommage particulier à Idrissa Ouedraogo? Ben, je pense qu'Idrissa, il aimait comme le dire qu'il était dans le dictionnaire, qu'il était... Immortel. Donc, je pense qu'il peut y avoir une salle de cinéma qui soit rebaptisée, ou un cinéma qui soit rebaptisé, Idrissa Ouedraogo. Il peut y avoir des tas de choses. Parce que c'est vrai que son œuvre, elle va rester. Ça, c'est évident. Je ne vois pas comment elle pourrait disparaître avec la qualité du travail qu'il a fait. Donc, je pense qu'il y a différentes façons de lui rendre hommage. Mais Idrissa, il aimait avant tout que ce soit le peuple qui voit à travers ses yeux ses films. Et ça, c'est le plus grand bonheur qu'il pourrait avoir. Voilà. Et puis, je pense, oui, que
Il ne faut pas le pleurer, il faut dire, il a vécu, il est parti, il nous a laissés, mais on va continuer à parler de lui, on va continuer à montrer son travail et à le soutenir. Et à le soutenir pour que toutes les générations futures voient ses œuvres. Voilà, ça me semble vraiment important. Voilà, pour faire un peu le tour de table, Didier et Ouédraogo, qu'est-ce que vous garderez de cet homme-là? Si on vous demandait, qu'est-ce que vous gardez d'Idrissa Ouédraogo dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a aimé, tout ce qu'il a combattu, tout ce qu'il a apprécié, qu'est-ce que vous gardez de lui? Ce que je garde de lui. D'abord, comme je vous l'ai dit, nous avons été très très proches à un moment donné. Donc, un ami. Nous avons été proches partout. Hein. Vous savez, nul n'est parfait. De part et d'autre, il peut y avoir des petits accrochages et tout, mais on finit toujours par se retrouver. Et c'est ce qui permet d'avancer. Ce que je garde d'Idrissa, donc déjà sur ce plan amical, et sur ce plan, le plan professionnel, je me dis que ça dit, il y a les nouvelles tendances. Il a été avec les nouvelles tendances jusqu'à ce blocage-là, côté financement. Et je garde un très bon souvenir de lui. Et vraiment, je lui souhaite le repos éternel. Valérie Kabore, qu'est-ce que vous gardez d'Idrissa Ouédraogo? Une image comme ça qui vous vient? C'est l'homme simple, c'est l'homme serviable, c'est l'homme convivial? J'allais dire un homme simple, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la grosse tête. Vous pouvez arriver dans un public et puis les gens l'identifient. Et ils sont obligés de venir vous demander si c'est vraiment Idrissa, parce qu'il était tout terrain. Voilà. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui a fait aussi beaucoup d'œuvres, plein de sens. Il a été très créatif, très productif pour notre cinéma. Et je pense que la nation entière doit lui rendre hommage parce qu'il a laissé une immense richesse inqualifiable. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, que la terre libre du Burkina lui soit légère. Freddy Denaès. Moi, je garderai son sourire, son rire. Il avait un rire quand il invectivait quelqu'un ou quand il parlait. Il et son humour façon, aussi. Son humour, parce qu'il avait, il adorait ça. Il adorait taquiner les gens, il adorait chatouiller comme ça. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est l'homme vivant qu'il était, c'est l'homme plein de chaleur et de, ouais, de partage qu'il avait envie. Jean-Yves Nana. Bah, Idrissa, c'était tout simplement un artiste. Parce que vous voyez, le bonhomme, je lisais juste avant de rentrer là, un de ses amis, Pape Sen, du Sénégal, qui racontait une anecdote quand ils ont été à Cannes pour monter sur les marches. Alors là, ils ont dû louer des nœuds papillons. Et de smoking. Voilà, et des smoking, parce que lui, c'est l'artiste. Il est bien dans son jean, il est bien dans ses habits de tous les jours. Comme le dit si bien Valérie, il ne fait pas la grosse tête. Voilà. C'était un homme à part. Et par rapport à la remarque de Minou Etienne, je ne te pleure pas, en fait. Etienne, c'est un artiste aussi, c'est un poète. C'est un poète. Et je comprends pas ce « je ne te pleure pas », ça veut dire « je ne vais pas me morfondre, je ne vais pas t'oublier, au contraire, je vais te magnifier, je vais travailler à faire en sorte que personne ne pense que tu es vraiment parti. Mmh. » Voilà. Je crois qu'il faut le prendre comme ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Etienne, il est aussi de cet acabit-là. Voilà, un bel hommage à Idrissa Ouédraogo. Et ce cinéaste émérite burkinabé disparu aujourd'hui à l'âge de 64 ans par cette émission spéciale que vous avez pu suivre depuis 21h20 sur la RTB avec pour invité Freddy Denaès qui est producteur d'Idrissa Ouédraogo depuis 1988 avec son premier long métrage Yaba et Pascal Didier Ouédraogo, producteur, réalisateur et puis représentant de l'UNSB et voilà, l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Et puis Valérie Kabore, qui est réalisatrice-productrice, elle a réalisé la série Ina
Et puis enfin, Jean-Yves Nana, qui est le directeur de la Cinémathèque africaine et qui est représentant également de l'UNSCB. Et l'UNSCB est l'Union nationale des cinéastes du Burkina sur ce plateau. Merci à vous d'être venus. Et tout de suite après cette émission, on aura le court-métrage Poco, et qui a remporté le talon du court-métrage en 1981 au FESPACO. Et puis après le journal de 22h30 dirigé par Christine Sanoa-Koulibaly, on aura Tilaï, qui a remporté donc le Grand Prix du jury à Cannes en 1990 et l'étalon d'or de Yenenga en 1991 au Festival de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés à notre compagnie et d'avoir suivi cette émission spéciale. Au revoir et à la prochaine.